Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire l'histoire qui s'appelle L'arrivée des capybaras d'Alfredo Söderguit, publiée aux éditions Didier Jeunesse. C'est une fable animalière absolument magnifique d'un auteur uruguayen. L'arrivée des capybaras d'Alfredo Söderguit aux éditions Didier Jeunesse. C'était un endroit tranquille, quelque part, très loin d'ici. La vie n'était pas compliquée. Chacun faisait ce qu'il avait à faire. Il y avait à manger pour tout le monde et jamais rien à signaler. Jusqu'à l'arrivée des capybaras. Personne ne les connaissait, personne ne les attendait. Les capybaras étaient nombreux. Ils étaient poilus, ils étaient mouillés, ils étaient trop gros. Non, il n'y avait pas de place pour eux. Mais ils ne pouvaient pas retourner d'où ils venaient, car la saison de la chasse avait commencé. Alors on leur imposa des règles. Ils devaient rester dans l'eau, ne jamais poser les pattes sur la terre ferme, ne jamais s'approcher de la nourriture, et interdiction de discuter les règles. Quoi? Tout le monde était concerné par ces règles. Il était interdit de s'approcher des capybaras. Ils étaient sauvages. Piou. Pouvait être très dangereux. À partir de ce moment-là, tout fut différent. Les jours, et les nuits. Quand la saison de la chasse fut terminée, les capybaras firent leurs remerciements et se préparèrent à partir. La chasse n'avait pas été bonne cette année-là. Les chasseurs rentrèrent les mains vides. Leur poulailler était vide lui aussi. Et jamais ils ne surent ce qu'il s'était passé.